Sylvie Cazobon. Sylvie, je te remercie pour les 21 E, ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie, merci. Teddy Villaret, merci pour le 25 E, ça me fait extrêmement plaisir. Ted, merci, je te remercie, Ted. Ce que vous avez. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus. Et merci pour vos donations si vous m'avez déjà fait une donation. Merci. Allez les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Gemini, mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Jimmy James, yo, bienvenue les James, bienvenue sur 5 Star Tarot, c'est parti. Ok les James. Vous êtes en train de sonder vos sentiments, les James, et vous pensez à quelqu'un. Vous êtes certainement en épuration et vous avez certainement envie d'aller voir quelqu'un. Mais je vous vois quand même gardé par rapport à ça. Je vous vois quand même gardé, méfiant par rapport à ça et je vois que ça vous tracasse. Et je pense qu'il y a quelqu'un que vous, à qui vous tenez énormément. Enfin, c'est pas que je pense, il y a quelqu'un à qui vous tenez énormément. Et vous avez envie du forever after avec cette personne. Et vous êtes aussi, il y a le mot barracuda qui vient, et j'ai l'impression que vous êtes entouré de barracuda. C'est peut-être un signe d'eau, mes amis, les James. Et c'est peut-être aussi une relation flamme jumelle, parce qu'on a l'hippocampe qui me fait penser aux relations flamme jumelle. Et on a les cheveux en forme de pieuvre qui viennent me faire penser. Les pieuvres crachent souvent de l'encre noire quand elles se sentent en danger. Et ça peut vouloir aussi me parler de perturbation de l'esprit. Et on a le King of Pentacles. Ah, c'est le King of Pentacles ici. Donc ça vient me dire que le King of Pentacles, c'est un projet concret. Ça vient me dire que vous êtes sur un projet concret et que vous avez envie, qu'en ce moment, vous êtes en train de travailler dur. Vous êtes en train de bûcher dur pour pouvoir obtenir le Ten of Pentacles, c'est-à-dire l'abondance, mais c'est vraiment l'abondance au point de vue matériel. Et vous êtes vraiment guidé à vous
Ah, vous avez envie de vous montrer en fait une autorité froide. Vraiment, je vois vraiment que vous êtes décidé. Vous êtes vraiment décidé à faire de l'argent. Vous êtes décidé à être reconnu. Vous êtes décidé à incarner en fait l'énergie du divin masculin, l'énergie de l'empereur. Mais je vous vois vraiment. C'est comme si en fait il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, mes amis James, que de se concentrer sur l'argent. Mais en même temps, dans votre cœur, je sens que c'est difficile, hein, que vous êtes en dessous de l'océan. Votre autre, lui, est seul, en train de demander à la vie quelle est la leçon qu'il doit t'apprendre. Mais en tout cas, cette personne se sent seule. Cette personne vous observe, cette personne vous attend peut-être, et cette personne reste dans l'ombre, et cette personne ne vous dévoile pas ses sentiments. Pourtant, cette personne... Et cette personne, elle est amenée à se concentrer sur son objectif, sur son objectif, sur elle a un projet à réaliser, un projet qui est encore peut-être à l'état, j'allais dire à l'état juvénile, mais en tout cas, et ça vient me dire que cette personne aussi, elle est en train de faire un peu le peacock. Donc ça vient me dire que c'est un peu fake it until you make it. C'est un peu l'état d'esprit de cette personne. Où en est la relation? Vous êtes très attachés l'un à l'autre, mais vous êtes tous les deux. Il y a une emprise là. Et je parle vraiment au niveau de la relation. Il y a vraiment une emprise. Il y a quelqu'un qui est dans le noir. Il y a comme des forces sombres, hein, qui sont en train de vous retenir. Hein. C'est quand même l'énergie du diable, hein, qui est ici. Hein. Vous avez tous les deux, j'allais dire, une passion débordante l'un pour l'autre. Et quoi qu'il arrive, vous avez envie de construire l'un avec l'autre. En fait, c'est comme si c'était évident que si vous deviez fonder une famille ou quelque chose comme ça, il y a peut-être une histoire ou une promesse d'enfant ou quelque chose comme ça, d'éducation ou d'enfant ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez vraiment l'intention de quoi qu'il arrive, votre lien, en fait, il y a vraiment quelque chose, une flamme qui bat la chamade là. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux très éparpillés parce que vous êtes tous les deux devant une incertitude, devant énormément d'illusions, énormément de choix qui vous sont présentés ici avec le Seven of Cups. Et tout ça va terminer bien entendu avec une réalisation. Tout ça va terminer avec la carte du Judgment. Ça veut dire peut-être une prise de conscience. Ça veut dire la carte de l'éveil. Ça va être des secrets qui sont révélés. Ça va terminer en... Vous savez, la carte du jugement, c'est vraiment l'apprenti héros. C'est celui qui apprend en fait les noblesses du cœur, les noblesses de l'esprit. C'est celui qui apprend à devenir un. C'est celui à qui on apprend à devenir la chevalerie en fait. C'est exactement ça. Et c'est aussi l'arcane de la dernière épreuve avant de pouvoir passer à un nouveau cycle, avant de pouvoir élever son élévation, de faire brûler son cosmos, un peu comme la carte du monde, qui est la carte qui suit la carte du judgment. Mais en ce moment, l'énergie qui vous pousse, c'est vraiment une énergie de stabilisation financière, c'est vraiment une énergie de stabilisation financière, mais qui vous laisse émotionnellement dans des remords, mes amis, les Gems. Et la personne qui est en face de vous, elle est seule, hein, elle est seule, elle est en solitude, et cette personne... Elle fait genre qu'elle est au top of the game, mais elle ne l'est pas du tout. Et vous, j'ai l'impression que quelque part, c'est marrant ça d'être vraiment focalisé sur le matériel comme ça, hein, comme si vous aviez quelque chose à prouver, mes amis les Gems. En tout cas, cette personne, elle est en solitude et j'ai l'impression que la source est en train d'apprendre une histoire à cette personne. C'est comme si elle était vraiment en train d'apprendre quelque chose. Je vais vraiment clarifier tout ça, mais si jamais on regarde plus de votre point de vue, parce que je peux aussi transformer ça en croix celtique, ça vient me dire que l'énergie qui vous pousse, c'est l'énergie du King of Pentacles. C'est une énergie de stabilité. Ça vient me dire qu'en ce moment, au niveau de l'esprit et du cœur, vous pensez énormément à cette personne, que votre challenge, c'est d'apprendre, c'est de vous retrouver en solitude, c'est pour découvrir certaines choses. Il y a énormément il y a une énergie qui est en train de vous retenir. C'est l'énergie du diable. Alors je ne sais pas si je vois énormément de pentacles ici. Si c'est quoi? Si c'est des rêves de victoire, des rêves d'argent. Si c'est potentiellement des fausses responsabilités, des personnes qui essayent de vous retenir dans une toile, qui essayent de. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est plutôt en fait la toile de la tarentule. Comme s'il y a des personnes qui essayent de vous retenir, comme si vous étiez dans un nid de tarentule. En tout cas, par le Ten of Pentacles. Par le passé, c'est ce que vous pensiez pouvoir obtenir.
Et finalement, l'énergie qui est au centre de votre reading, c'est le Five of Swords. C'est une énergie de conflit, c'est une énergie de mensonge, c'est une énergie de trahison, c'est une énergie. C'est quelqu'un qui ne veut pas être blessé, c'est quelqu'un qui a été trahi ou qui a trahissé. C'est une des plus mauvaises cartes du tarot, en fait. Hein. C'est vraiment. Le Five of Swords, c'est la victoire à tout prix. Hein. C'est une carte de violence, en fait. Hein. C'est vraiment une carte de trahison, c'est une carte de manipulation, c'est une carte de. Et c'est vraiment la carte qu'il y a au centre de votre reading. Et vous êtes en train de vous diriger vers le King of Wands. Le King of Wands, en fait, c'est vraiment celui qui. C'est celui qui. C'est l'empereur, mais c'est l'empereur. C'est le. Comment dire? C'est l'entrepreneur. C'est celui qui entreprend, mais c'est celui qui entreprend avec passion. C'est celui qui entreprend avec passion. C'est celui qui a une passion et qui compte réaliser sa passion, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau affectif, mais c'est celui qui avance avec la passion. Et c'est une énergie de noblesse aussi. C'est l'énergie des lions, hein, le King of Wands. Hein. Donc ça vient me dire que quelque part, vous êtes en train de vous diriger vers cette énergie-là. Hein. Premier conseil de l'univers aussi, c'est de retrouver votre souveraineté, c'est de vous accepter en tant que divin masculin, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, je parle bien entendu d'énergie, vous êtes un signe masculin, les Gémeaux, que vous soyez homme ou femme. Au niveau de la famille, Queen of Wands, ça vient me dire que. Alors ça vient me dire. Alors. Ça vient me dire que vous êtes dans une optique de séduction en ce moment. Ça vient me dire que vos sentiments, en fait, j'allais dire, votre intimité passe par une énergie très sexuelle, une énergie de séduction. Et c'est une énergie qui n'a pas vraiment de commitment. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est malicieuse. Ça vient me dire que c'est une énergie qui vous demande de vouloir assouvir des désirs. Ça peut vouloir me dire que vous avez envie d'assouvir des désirs sexuels avec beaucoup de personnes de votre entourage, mais qu'il n'y a rien de commitment là-dedans. Il y a une personne, hein. Il y a une personne à qui vous vous sentez profondément relié, mais vous ne vous sentez pas le courage de pouvoir avancer vers cette personne. Dans Hopes and Fear, vous êtes justement en train de vous demander si un jour vous arriverez à vous décider, vous arriverez à sortir du nid de la tarentule, là, du diable qui vous maintient. Et tout ça, c'est toutes ces souffrances que vous êtes en train de vous endurer vous amènent inévitablement à une arcane majeure. C'est-à-dire à la carte du Judgment. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un jugement qui va être. Et c'est marrant que mon attention se porte directement sur la personne qui se trouve dans le noir. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle est déjà en train de porter un jugement envers vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très observés, mes amis, les Gems. Vous êtes très observés. Je vais aller clarifier le King of Pentacles, mes amis, les Gémeaux. Je vais aller clarifier le King of Pentacles. Laissez-moi des commentaires, les James, s'il vous plaît. Cutting the deck for James. En tout cas, en ce moment, si jamais vous vous concentrez sur le matériel, ça vous demande énormément de force, ça vous demande énormément de. C'est comme si en fait vous vous accrochez vraiment, hein, que c'est vraiment difficile pour vous, parce que vous pensez qu'avec ça, vous allez obtenir le Ten of Cups, c'est-à-dire la famille, le Forever After.
Et j'ai l'impression que vous avez subi énormément de trahison, que en tout cas vous avez rangé votre vie et que vous avez quitté en fait les choses qui ne vous correspondent plus. J'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes seul sur votre chemin, hein, et que vous avez envie de peut-être obtenir une stabilité financière, mais ce que je vois c'est que vous voulez l'obtenir tout seul, les amis, les James. Et ça c'est pas forcément une bonne chose. C'est comme si vous vouliez endosser le poids de toute la responsabilité du monde, mes amis, les James. Mais vous êtes persuadé que c'est ça qui va vous apporter le bonheur, mes amis, les James. On va clarifier la Queen of Cups. Vous avez The Moon in Reverse, vous avez le Pendu in Reverse et vous avez le Roi des Coupes. Ça vient me dire que vous aimeriez vraiment lever l'illusion en fait sur cette histoire, enfin sur cette personne avec qui vous vous sentez vraiment très intimement lié, hein. Mais au lieu de faire les bonnes choses pour ça, vous êtes en train de faire le malin. C'est-à-dire que vous êtes certainement en train de vous la jouer sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de faire croire que tout va bien. Et ce que vous êtes en train de laisser transparaître finalement, c'est quelqu'un qui est très froid, qui est très qui garde ses sentiments et qui ne. Mais la personne d'en face le sait. Hein, la personne d'en face le sait, les James. Hein, donc vous avez beau vous cacher, mais la personne en face, elle le sait. Hein. Clarifier le Hiérophante avec l'As de bâton, avec le Seven of Pentacles et avec le Nine of Coins. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est seule, mais qu'elle se concentre sur son projet. Et ça vient me dire que aussi cette personne, elle essaye, ou elle voudrait potentiellement se séparer de vous, elle voudrait qu'il y ait une conclusion avec vous, elle voudrait passer à autre chose. Cette personne est sur la défensive avec vous. C'est comme si cette personne, elle attendait que vous reveniez vers elle. Avec la nine, qu'elle est, encore une fois, je le répète, en train de se la jouer, genre tout va bien dans ma vie. Mais cette personne, c'est comme si elle attendait que vous reveniez vers elle pour pouvoir vous blaster. C'est-à-dire que cette personne, elle attend que vous craquiez pour revenir vers elle, pour ensuite vous avouer vos quatre vérités et vous envoyer bouler pour toujours. En tout cas, c'est l'énergie vraiment qu'il y a là avec l'ermite. Donc, ça, et je pense que vous le savez, ça. Je pense que vous le savez, ça, mes amis, les James. Hein. Clarifier le Ten of Pentacles. On a l'ermite, on a le cavalier d'épée à l'envers, in reverse, et on a le Four of Pentacles in reverse. Donc ça veut me dire que vous êtes vraiment seul sur votre chemin, hein, et que vous essayez de trouver les réponses et que c'est très difficile pour vous. En fait, votre rêve d'argent, de gloire et tout ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas en train de se matérialiser en ce moment. Et vous avez envie d'avouer votre vérité, vous avez envie de le dire ça, mais vous ne le dites pas. Et je pense que cette situation très inconfortable va vous pousser finalement à ne plus garder les choses pour vous et à parler. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est ce que vous allez être inévitablement amené à faire, mes amis, les James. Parce qu'il n'y a pas de vérité là, vous ne dites pas la vérité et vous êtes. Je pense qu'au bout d'un moment, le fait de marcher seul et tout ça, ça va devenir difficile. Il y a peut-être aussi quelqu'un du signe de la Vierge là qui. Alors peut-être que c'est un poisson la personne avec qui, mais en tout cas, c'est peut-être un poisson la personne avec qui vous. Ou un signe d'eau avec qui vous aimeriez lever l'illusion. Et c'est peut-être aussi quelqu'un du signe de la Vierge. Il y a une énergie de la Vierge là qui est là. Je ne sais pas si c'est un parent ou quoi que ce soit. Ça peut être un parent ou quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui serait apparemment dans la misère et qui aurait l'intention d'y rester, mes amis, les Verseaux. Enfin, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie de. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est pas prête de laisser partir ses sous aussi là. Hein. Ça, c'est de votre entourage, mes amis, les James. On va aller clarifier le Five of Swords. Il y a une personne qui était très attachée à vous et qui sent qu'il y a une énorme trahison, qui vous en veut pour une rupture là. Et cette personne, elle essaye de se concentrer parce que cette personne, j'ai l'impression que cette personne veut avoir de l'argent. Je ne sais pas pourquoi elle veut avoir de l'argent. Elle est en train de se concentrer sur son projet et c'est. J'ai l'impression que peut-être, potentiellement, après la rupture, cette personne, elle a eu une grosse déconstruction. C'est comme si elle avait perdu en fait sa valeur avec le Five of Pentacles in Reverse.
et que maintenant elle ne veut plus prêter attention à. Vous voyez, il y a une cloche là, et ça veut dire prêter attention à. Vous savez, c'est la misère qu'on entend. Hein. Vous savez, quand la cloche arrive de loin, là, les mendiants, ils avaient une cloche là pour. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, elle s'est sentie misérable après votre séparation. C'est comme s'il y a eu une séparation brutale. Et je ne dis pas que c'est forcément de votre faute, les James, mais je pense que la façon dont ça a été fait, ça a vraiment je dis, amoindri cette personne. Et maintenant, cette personne, elle est vraiment focalisée sur l'argent. Elle est vraiment focalisée sur l'argent. On va aller clarifier l'empereur. Ah, on a le roi des bâtons à l'envers, on a le Seven of Cups et on a le Four of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous la jouez empereur, mais que non seulement vous n'êtes pas l'empereur et que vous savez même pas ce que vous voulez, que vous êtes face à des situations que vous avez. Et tout ça, c'est pour vous amener à ne plus ignorer la porte de sortie. Donc, il y a un gros travail qui est en train d'être fait par la source sur vous, mes amis Gémeaux. On va aller clarifier la Queen of Wands qui est ici, mes amis les Gems. Clarifier la Queen of Wands, pardon, mes guides. Oui, clarifier la Queen of Wands. Ça commence à aller un peu mieux, mon dos. Je pense que je vais reprendre le sport soit cette semaine, soit la semaine prochaine, là, mais ça m'aura fait presque 3 semaines d'inactivité. Pas facile à encaisser pour quelqu'un comme moi, mais bon, voilà, au moins, je préfère bien, bien me reposer et bien, bien tout réparer. Au moins, quand je repars, bon, j'éviterai de repartir à fond, bien entendu, mais vous en foutez les gems et les guides aussi. Pour clarifier la Queen of Wands, on a le Valet de Bâton, on a le Two of Pentacles et on a le Two of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est concentrée sur son projet, elle va rester concentrée sur son projet. Hein. Et elle est, c'est difficile, hein, cette personne, elle a vraiment, en tout cas cette personne, elle est forcément poussée par l'univers pour ne plus revenir vers le passé, pour laisser tomber ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Et cette personne, elle est vraiment poussée par l'univers à avancer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. C'est vraiment marrant, ça. C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Laissez-moi des commentaires, les gems, s'il vous plaît. Clarifier la carte oui, parce que moi je suis pas le genre de mec qui va vous faire un tarot. Restez près de votre téléphone, votre autre. Vous êtes tout pour lui. Il va vous passer un coup de fil le jour de la Saint-Valentin. Il arrive. Il se sépare avec la tierce. Il apprend des choses dans son dos, des manipulations. Il vous a toujours aimé, il arrive. Alors attendez, hein, attendez, hein, il arrive. Votre autre vous aime. Hein. Je vais vous dire quel genre de message il va écrire et quand ça vous sera délivré. Hein. Alors oui, bien entendu. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pour ça que je ne fais pas 30 000 vues par vidéo. Hein. Mais bon, voilà. Five Star Tarot restera comme ça et puis c'est tout. Bienvenue. Bienvenue dans du tarot 5 étoiles, mes amis. Clarifiez le diable. Vous avez le Ace of Pentacles. Et pour tous ceux qui ne s'abonnent pas, qui mettent des pouces négatifs et qui viennent juste ici pour zioter, et qui reviendront, bien entendu, parce qu'ils ont besoin de venir pomper ici, hein, bien entendu. Eh ben, continuez, je m'en fous. Continuez. Mais vous reviendrez quand même. Donc voilà. Soyez autant jaloux et rageux que vous voulez, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mon métier, mon taf. Les guides me disent arrête, arrête. Bon, allez, c'est bon. Allez, clarifier le diable. Donc on a le valet de denier,
on a une carte que j'ai faite moi-même in reverse et on a la tempérance in reverse. Donc ça vient me dire que. En fait, je vous fais vous et les poissons parce que vous étiez les deux pires guidances de hier, en fait. Donc, mais je vais essayer d'en faire un peu plus aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une qui m'a dit « Je t'adore, Jay, mais arrête de nous dénigrer sur les Gémeaux, alors, les Gems. » Mais je vous dénigre pas, les Gems. Hein. Sachez que je ne dénigre personne, que je ne fais que lire les cartes. Alors, il y a des readings qui sont plus, j'allais dire, disappointing que d'autres. Et tant que ça ne changera pas, eh ben, ça ne changera pas. Je ne suis pas là pour vous graisser la patte, moi. Donc, si vous voulez aller voir du Marie-Martaro, votre autre revient, il arrive, il pense à vous, il rêve de vous, machin, voilà, et que vous êtes les plus extraordinaires du monde, ben, ça ne se passera pas comme ça ici. Hein. Je ne suis pas en train de vous blâmer, je suis en train de lire les cartes, les Gems. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Il y en a aussi qui aiment bien me voir en ce moment qui me disent, ouais, c'est moi en énergie inversée, c'est moi en énergie inversée, je ne fais pas d'énergie inversée, moi, d'accord? C'est votre reading ou ça ne l'est pas, c'est tout. Après, si vous voulez faire le travail, faites le travail. Si vous ne voulez pas faire le travail, faites pas le travail. Ça fait 10 fois que je fais le même reading, ça fait 10 fois que je ressors les mêmes choses. Sauf que, alors c'est pour ça que j'essaie de clarifier sérieusement aujourd'hui. Après, si vous pensez que je vous aime pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Valet des deniers pour clarifier le diable. Donc, si je clarifie le valet des deniers, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est obnubilé par l'argent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à quelque chose de nouveau. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à jeter de l'eau dans son vin. Ça vient me dire que voilà, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un, en tout cas, ici, qui est intéressé uniquement avec l'argent, qui est obsessionné par l'argent, et qui est complètement immature et qui n'arrive pas à mêler les émotions et l'argent. Et c'est vraiment sur la relation, là. Donc, je ne dis pas que c'est vous, hein, mais en tout cas, ce que je vois, moi, c'est que la source, en tout cas, a l'air de faire en sorte pour que la personne qui est en face de vous comment dire, devienne fort émotionnellement par rapport à une rupture qu'il y a. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être votre entourage, votre famille, tout ça. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que cette personne vous manque, les Gems. Vous n'allez pas me la faire à moi, les Gems. Hein. Allez raconter vos bobards à qui vous voulez. Allez raconter vos bobards au monde entier, mais vous n'allez pas me la faire à moi. D'accord? Et allez pas me dire que vous êtes psychique, vous êtes machin, vous êtes que dalle. D'accord? Le psychique ici, c'est moi. Ok? Et je vois très bien que vous êtes en train de. Qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici. Je vois très bien qu'il y a quelqu'un qui. Et vous, potentiellement, il y a des bons principes, hein, mais vous voulez continuer à rester là-dedans continuez les Gems, on va voir. Moi, je continuerai à faire les mêmes readings. Après tout, je ne vois pas pourquoi je m'implique autant dans le reading. Ça, c'est la relation. Clarifier le King of Wands. Donc, l'empereur. L'empereur, regardez, il a des bottines sur lui. Ça veut dire qu'il est sur. Et vous savez, il a un citron dans la main, là. Ça vient me dire qu'il est bittersweet. Ça vient un citron. Pressez-vous un citron dans les yeux, là. Hein. Mettez-vous du jus de citron, là, sur la langue. Vous allez voir quel goût ça a, là. Donc, ça vient me dire que. Judgment, judgment. Ça vient me dire qu'il va y avoir la justice divine au bout d'un moment qui va venir mettre son nez là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, en tout cas, le matériel, ça a l'air très important, les Gems. Ça, c'est clair et net. Et si vous voyez le matériel comme votre soleil, je ne sais pas si ça va bien se finir pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je suis en train de voir en ce moment en lisant les cartes. Clarifiez le Seven of Cups sur votre relation. Vous avez le Ace of Cups in Reverse, vous avez le Nine of Swords in Reverse et vous avez le Ten of Swords. Est-ce que je suis vraiment. Est-ce que vraiment j'ai besoin Hein? Je veux dire, vous connaissez le tarot, non? Vous êtes meilleur que moi, non? Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui ne délivre pas ses sentiments, il y a quelqu'un qui se sabote, qui veut rester dans la nuit noire de l'âme là. Et il y a quelqu'un qui est en train de recommencer ce cercle. Mais je veux dire, y a pas, je me demande s'il y a une pire combinaison que ça dans le tarot en fait, à cet endroit-là surtout. Les guides me font remarquer, avec la carte du jugement,
que la justice Ace of Cups, Three of Cups in Reverse, que l'intelligence collective est bien au-delà de ça et que voilà. Mais bon, pensez pas que je vous dénigre les gems, hein. Pensez pas que je vous aime pas, hein. Sinon j'aurais pas fait votre reading aujourd'hui. Et je vais pas vous dire non plus que j'en ai rien à foutre, c'est pas vrai, j'en ai pas rien à foutre, mais voilà quoi. Lovers in Reverse, la carte qui vient de se retourner là. Ace of Cups in Reverse. Three of Wands. Three of Wands, ça vient me dire exactement ce que je vous dis depuis le début, depuis la première guidance que je vous ai faite. La tête, le cœur, par... Mais bon, allez, bref, voilà, regardez. On vous demande de vous arracher de là les... Non, en fait, vous savez quoi? Faites ce que vous voulez, les gems. Moi, je vais juste continuer à lire les cartes. J'observe, j'observe. Parce que je vais vous dire franchement, je ne suis pas mieux que vous. Je suis pas mieux que vous et voilà. Allez, on clarifie le judgment. Eight of coins, seven of coins et queen of wands in reverse. Donc, Eh bien, continuez à manifester, hein, continuez à bosser la tête dans le guidon, continuez à être insatisfait de ça, parce qu'à mon avis, voilà. Et reine de bâton in reverse, donc ça vient me dire que, en fait, là où vous avez. En fait, vous savez ce que ça vient me dire, ça? Ça me parle d'une vie, en fait, morose, en fait. Ça me parle d'une vie. Ça me parle d'une vie sans passion, ça me parle d'une vie sans réalisation, ça me parle d'une vie. Une vie d'esclave en fait, hein. Donc voilà, bon, enfin bref, c'est vous qui voyez les gems, hein, je veux dire, voilà, je vous ai fait le reading et après, que ça vous plaise ou pas, hein, je veux dire. Allez, je vais tirer quelques cartes d'oracle, c'est pas comme si on en était au premier reading, hein, je veux dire. Après, peut-être que je ne sais pas lire mes cartes. Hein. S'il y a des grands professionnels qui viennent regarder le tarot, je ne sais pas. Hein, je veux dire, j'ai peut-être pas bien battu les cartes. J'ai peut-être pas. Laissez-moi des commentaires, les gems, parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Allez, quelques oracles. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Sagesse arabe. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de faire une bonne action, alors. Et que vous n'en parlez pas. D'accord. Peut-être que je me gourde du tout au tout, hein, les gems. Hein. Même certainement. Hein. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, hein, que je puisse comprendre ce qui se passe. Dites-le moi si je suis un mauvais tarot reader. Hein, je veux dire, s'il vous plaît, dites-le moi. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. La solitude, 63. C'est. J'ai vu l'image du neuf de. Le Wounded Warrior, celui qui est passé. Parce que vous m'avez quand même l'air de morfler, les gems. Hein. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Vous êtes peut-être en train d'y arriver, les gems. Vous êtes peut-être en train d'y arriver, les gems. Je vois un soleil qui se lève derrière, là. Je vois un soleil qui se lève derrière ces montagnes. Et ça vient me dire que quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que ce qui vous attend vous fait peur, mais que vous allez y arriver, les gems. C'est vraiment l'impression que j'ai. La solitude, c'est la présence de soi-même. Et vous êtes le signe de l'intelligence. Et n'oublie pas que l'éveil de l'intelligence arrive quand on calme le mental. Et vous êtes aussi le signe du mental. Donc peut-être qu'en calmant le mental, une grande vérité en fait. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Ne lâchez rien, les gems, quoi que vous fassiez.
Love you guys. Merci de me faire des commentaires. Namasté, my friend.